Alors, nous sommes avec le grand Manitou du réseau Fibre, le président, en fait, du réseau Fibre, le professeur Théo Van de Ven de l'Université McGill. Monsieur Van de Ven, merci de prendre ces quelques minutes. La première question qu'on a pour vous, en fait, pouvez-vous nous parler de ce qu'est le réseau Fibre et son rôle? Le réseau Fibre, c'est un réseau de réseaux qui son but est de développer des produits pour revitaliser l'industrie de papier, mais aussi un autre rôle, c'est pour former des étudiants dans l'ingénierie et les sciences pour la nouvelle génération de chercheurs dans le domaine de forestière. Et bon, ça fait quelques années maintenant que le réseau bat son plein. Oui. Et on arrive maintenant à un moment culminant qui est cette conférence. Alors, quel est le rôle et le but de cette conférence? Encore, il y a plusieurs rôles de cette conférence. Le premier, c'est de plus ou moins annoncer nos succès. Il y a eu une session avec le VIP, comme on dit en anglais, et pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on fait dans notre réseau. Et je pense que le deuxième, c'est pour encore les étudiantes qui sont conscients qu'ils font partie d'un grand réseau et leur travail, ça fait partie d'un grand plan de recherche. Quand on se promène et qu'on parle aux gens, on s'aperçoit que les gens semblent très heureux d'être ici. On est en plein dans la conférence. Pouvez-vous nous donner vos premières impressions, là? Comment ça s'est déroulé? Évidemment, on a eu un annoncement hier sur le gagnant du prix Marcus Wallenberg, qui est un peu le prix Nobel de produits forestiers. Et on est très chanceux qu'on pour annoncer ce prix ici sur la conférence Fibre. C'était le professeur Derek Gray qui a gagné ce prix. Alors ça, c'était un événement formidable. Mais aussi, je trouve que l'enthousiasme parmi les étudiants, quand ils parlent de leur affiche scientifique, et on a eu des discussions formidables, un très haut niveau scientifique. Et je suis très content de leur performance. C'est très bien. On vous remercie beaucoup et on peut que vous souhaiter bon succès pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup.